Merci de nous suivre dimanche et à l'élo. Vraiment merci. Nous avons premier numéro. L'élo, commune Asuka. Il y a semaine aussi ici Yango, Nzambe, à Pambolabiso, à subvenir Naba besoin d'Abiso qui donne encore la force d'affronter surtout semaine et Zobanda lobby. Tous les le mois de décembre, quelques jours nous séparent. Nous prions que le bon Dieu abatte là-bas l'Andi Nabiso, Batignonso, Bazali Koporte, Bissou soutien, Nzambe, Apambola, Mabuta, Nabino, là toujours en force avec vous, Tokota, ensemble, en 2022, toujours croire Nayango que Kozala est possible. J'ai toujours dit, et c'est pas facile comme en la semaine aussi l'Isayango si au moins il comme il y a quelques soignants sous au moins le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Ne vous fiez pas d'abord au moins présentement parfois il y a des circonstances de la vie ils ont tel que rien ne va marcher. Non, moi je te dis en suivant cette vidéo ça finira par marcher, ça finira par marcher. Donc si Dieu te garde encore en vie, s'il est là, donc il y a encore de merveilles. Bien sûr, il y a la vie, parfois, mais cela aussi ne peut jamais nous décourager pour que tout à lendemain, il y a la meilleure. Merci, Bande Kobino, pour partager l'émission. Je suis très reconnaissant envers vous. Je commencerai toujours mes émissions par vous dire merci. Merci na bandeko oyo bazali ko sala à chaque instant que bo landa kabiso bo pesa kabiso confiance grâce à vous nos vidéos sont tellement vues grâce à vous bozali ko sala ke batu mingi bayeba na ko landa biso. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup, continuez à partager nos émissions, continuez à les liker, continuez à commenter, continuez à être là pour nous et nous aussi nous serons là pour vous. Que vraiment ma cambozo ya liboso ezala kitoko makasi ngali mina banda émission ya lelo oyo nazali ko sala yango précisément na Kinshasa. Kinshasa na ibisa gabino mingi mingi ezali capitale ya République démocratique du Congo. Vérifier mbala mususu ndeko moko azali en ligne te azali vraiment musika na téléphone na ye ye bisaye numéro yasika ebandi na MKBZ officiel tokolobela nini bande konangaye tokolobela lelo. Il se pose un problème très sérieux. Joseph Kabila na a komi ko jouer servi na ye et selon nos câbles andimi penza vraiment que mwana na mwana yebela moto na moto Ayeba n'a qu'à sauver yé moko. Donc ils allaient vraiment sujet principal oyoyeko permettre que tout solo là na bino mokolo yalelo. Pourquoi kaka lelo boko yeba boko monake Albert Yuma oyo azalaki tout solo qui na bino lobby na l'éternel tout puissant ya fait ba longolie metango ba longolie ba dossier belé et ba di kolamuka toko solo la nabino likambwana toko solo la bande ko na biso likambo oyo ezali ko lekana ngambo ya est ya République démocratique du Congo. Likambo oyo bato mingi bazali ko tiaka ya mutualisation ya ba force na biso na ba force ougandaise. Namoni tout le monde va comment réagir na ndenge na bango bande ko mususu balobi que zali haute trahison parce que normalement le président de la République pouvait avant que cela likambwana a contacté parlement. Alors les débats ils là clos. Je crois que Bolanda qui et Pierre Mwanamputu Bolanda qui même le professeur sénateur Modeste Batilukwebo qui a dit que cette initiative est au taquin à niveau ya parlement et oyo bango moko ba parlementaire ndé ba tobe ce qui président que singela qui vraiment a levé option wana. Mais je veux vous dire une chose,
Le problème aussi, au niveau de la sous-région, bato bazali koye bate. Le Rwanda a commis koko ma force moko régionale na ba minéré na ba biloko oyo ya zwaka et pa inabiso. Alors ezana risque que Rwanda abanda ko piloter ba force nyonso na région, et vous allez voir qu'il coopère avec les groupes armés oyo bazala kakati na biso na quelques Congolais oyo balinga lokoso ya mbongo pour vivre bato bakufa, mais bango bazala vraiment na babilo. Vous avez même vu kufi atalisa kibino ki na Goma na Beni batalisa ka bango bato bazate, mais bomoni ba piscine bomoni banini ya minene wana rebelle abeta kalisa sikunate rebelle ya bomaka kaka batu là où les bas blessent bandeko nangai ezali ke na makambo lolenge ezokende ba pays mususu ya région ba komi pe kolinga le Rwanda boule. C'est-à-dire il faut aussi l'affaiblir. Or affaiblir le Rwanda, c'est juste passer par neutraliser les groupes armés oyoye a plaça na Congo oyo salaka keye azwa kaba coltan zwa kaba or na ba minerai d'une manière frauduleuse. Ce qui va casser biloko wana Rwanda kwa lusu makasi oyo ezalite wana. Je vous donne le scoop moko boye makasi makanisi wana es batu bandu ko solola yango oyebi na ba biloko wana ba pays bazalaka ni na ba amite bazalaka ni na ba ennemi te bazalaka nde na intérêt. Alors bomoni koma Luganda baye ko zona nzela wa bandeko bazo boya ke ba forces armées ya Congo, ya Congo basanga na ya Uganda na mabele na bisote bazabe na raison. Moi je veux pas ici condamner quelqu'un. En fait vous sentez que c'est du patriotisme, c'est quelqu'un qui a le souci de son pays. Mais ba oyo bazo kende musika koloba mbo tokoki kotika la kaka te pona koloba ke non. En tout cas bazala bazala te, mais les méthodes de mise en place qui a duré pendant 20 ans et zosala ke bato bazo continue kaka kokufa. Et je vais préciser une chose. Le système ya combat oyo ba ADF babundaka ezala ka combat au sol te. Ezala très bien dit moton spo confusion eza wana mingi. Bitumba wana ADF babundaka ezala ka bitumba ya ba troupe au sol te eza guerilla. Donc eza bitumba moko eza na système nango mobimba. D'ailleurs biso tozo senga que na kati ya mboka na biso que notre gouvernement bazwa unité mobimba ba formé yango na bitumba ya type 1. Et je crois que il y a des unités au par exemple soki na Sahel oyo bato bako bunda ba bitumba wana ba force Barkhane wana bazali, il faut aller que ba créer unité mobimba oyo emesani koyeko la kaka kobunda bitumba ya Jarwana. Parce que le combat avec les ADF, ce n'est pas un combat classique. Ce n'est pas un combat classique. Et d'ailleurs, biso tolobaki ke tozo lingate mingi mingi publicité bazo sala autour ya ya eloko wana eloko pesa pe bien te. Zo pesa pe bien penzate tozo lingate publicité wana bakomi ko sala autour na yango. Tozo senga batia unité moko spécialisée na kati ya armée, parce que même si ya mutualisation, même si ya le problème ezali que l'Ouganda ne vient pas au Congo parce que alingi Congo, mais l'Ouganda vient au Congo parce qu'il a compris que non, sécurité intérieure ya Ouganda est comme menacée. Et d'ailleurs, lui-même Museveni à l'époque, a l'obaki que les alliés graves, ya kanisa que non, les gens vont combattre pour vous. Hein? Il a dit que bango bazwaki bitumba na bango, ils ont combattu pour eux-mêmes. Ce qui se fait pour le moment, ce n'est pas que non, balingi baya na Congo te, mais ils ont senti aussi que les mêmes problèmes biso tole laka. Le même problème biso pe tomone la kapasi, y a même problème yango pe ekomi kolanda bango. Alors, ils ont juste profité pour te ba pousser maintenant soana ezala musika na bango.
biso moko siko bakolo mboka. Je ne vois pas un Ougandais venir au Congo pour appeler ce qui vient à Congo. Non, l'exemple, tout ça, l'exemple, il y a Monisco. Hein? Depuis, tout ça, la Monisco, ça fait combien de temps? Monisco. Kimia, ya, non. Bato bako ki kopel sa, kimia na Congo, bebi somoko ba Congolais. Raison pour laquelle, na ebisa ki bande komo soki, ça ne sert à rien que biso na biso to potana, biso na biso vraiment, to banda ko fingana, à un certain niveau, il y a des questions qui devraient nous unir. Qui nous a ensorcelés? Qui nous a envoûtés? Qui nous a dit que non? Biso toko ki koloba langage mokote atana likambo moko. Et aussi, il faut toujours que yoka bande ko mususu. Oko ki kozela na par na yo, muso ba ki si par, ensemble botali intérêt général. Moi, ce qui me fait mal, na regreta kaming, ezali ke bande ko mususu, ba linga kande batu bakufa. Nde batu bakufa kana estwada, pourvu que leader na ye, azala na discours ya koloba. Donc, ce qui batu bakufi, aye, Tulombo. Mais j'ai toujours regretté, je ne comprends absolument rien. À chaque fois qu'il y a une force armée, basali ko cela ba exploit, je ne vois pas la même personne relayer aussi l'exploit militaire ya mapinga na biso. Donc en fait, biso moko en tant que patriote, tozali ko cela effort que non ba to bagu faka. Pote ba leader na biso ba de la kana discours et ali très dangereux. Ezali mabe makasi, ezali mabe makasi. Mais depuis ba bandi ba forçoi na mutualisation, ba zoloka ba renseignement, en tout cas, je crois que ekozala malamu ba koba na likambwana. Tout à quel niveau. Maintenant, nous refusons aussi la publicité qui est autour de l'Ikambouan. Botika est un combat moko classique. Ce qui est vrai, nous apprenons que non, en tout cas, depuis Bilokwane Bandi, ma force négative, vous allez un peu neutraliser et qu'on sort. Mais nous refusons la publicité autour de l'Ikambouan. Komba babundaka yango na makelele te babundaka yango na kolinga kosala te, mais tous œuvrons pour la paix. Et cette paix passera aussi par bande konabise bazali ba ressortissant ya est na beta kapé cete na likambwana ngana comprendre kate soki mboso azobate la bato uta alobake bandeko ya est babi mana ba groupe armé ti lelo na yebite nani muto bima na groupe armé les gens continuent ya kokufa et puis na mona kanet très compliqué. Vous constaterez que même le député ya est la plupart à chaque fois qu'on soit le bikeno basala ba basala état de siège bwana boy bakimi babimi plénière bakimi. D'ailleurs, Félix a embagué Bango la FAP, c'est pour nous retourner à Bango. Bazali contre le lingo opération, Zoleka, ou bien Baza contre état de siège. Trop d'ambiguïté, Bande Konangay. Mais moi, je pense que, au-delà, il y a l'Ikambo. Oyo, Bande Komusuba, Lobi, Bako Yate, Bamusuba, Lobi, Fo Bazala. Vous comprenez que Batunyon, tous les deux cas, Bazaka Kanabolingo, Yamboka, Nabango. Mais peut-être, approche de Zali, Yako Kesana. Maintenant que le gouvernement a bandi ko communiquer na ba makambwana a tie lumière, le plus important ezali ba mona maintenant concrétisation ya likambo wana yo zo linga bato bakufa pote leader na yo ada na discours ya koloba wana ezali vraiment antipatriotique. Un vrai congolais akoki ko linga te makile ya bandeko na ye tanga nos forces armées bofuta kabino ata de futa ngwezali ya malonga penza mingi mingi te, mais nous sommes derrière vous pote likambo wana esila pona bande koyo mususu bango ba monique inconvénient ezali tendenge ba ugande ba ye. OK, mais nous devons retenir, nous mettre en tête
ke batu wana bako ya kubundela biso te, soki biso moko tobi bundeli te. Yoka proposition nanga pona chite na likambo o. Pona ko mettre fin na makambo ya ba def. L'Ouganda peut être solution moko toko le ba court terme. Mais pour to lingi to umela na loba ki na insister pona ko chite na yango e sengeli ke na kati ya gouvernement, na kati ya armée, bazwa unité mobimba ba formé bango uniquement na type ya bitumba wan. Batia ba moyen ba peut na unité wan. Ba ko bango unité antiterroriste. Ezala wana pona ko bitumba ko bunda bitumba ba guerrier ya ba forme wan parce que ce n'est pas un combat classique. Je vois pas mboka moko ekoya awa ko kufela Congo soki biso moko ba congolais to télébité pona ko bundela propre mboka na biso. Joseph Kabila décide bande konangai na ba information tozana yango a joué survie na ye moko. En tout cas, elle se soutient na makambo ya ko batela ka son entourage. Vous allez comprendre pourquoi. Bota la ke bande konangai uta to bandaki ba processus oyo. Kabila avait financé beaucoup d'argent na Shadari comme candidat. Après ça, qui va te belé, même ba député oyo moni FCC a zone à parlement, la plupart bazalaka na bango nommé. L'exemple ezali na moko le plus oyo ya kolukate ezali ya Albert Yuma. Et non, Albert Yuma sa kotinga na monoko semake na zone belé min Théophile Mbemba. A lobby, clairement, que yé Azalaki Eli. Mais, Minaku, Nakimbuta, Yé André, à moi, n'a qu'à soute, ma bina bambe yambe, zon sanga biso fort. Mais yé, nde balongwe, na Théophile, bake yina Minaku, bake koye bisananga ke, longola Théophile Mbemba, tolingi yete, à côté de son moulungue, na espace bandoun. Là, c'est Théophile qui l'a dit. Les informations, c'est qu'en réunion, moko oyo, bango moko basali, Kabila ali mécontent, et que, bafuitoua ne zo continue comme mati lilo. Na marche, yasuka basali au. Au lieu que, batire les sons y a passé, ba moussous, ba banda ki lususu, koluka toujours nanzela wana, lo lengeni ni bakoki kozo lusu misolo. Vous avez boyo kaki, que même Shadari, j'aurais appris, ki bambongwe bele bele bima pona campagne, en tout cas basale la ki yangote. Ba moyen nyons, oye ze la ki mise à sa disposition pour n'a qu'on sala boye 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 nyon so ba sale la te. Même makambo ya Congo all dop ata Kabila ye moko azali, mais les informations montrent que andor ya libota na ye bande komo sus oyo a travaillé na bango na famille politique na ye ba sali ni makambo e bele ya mabe. Kabila Zalaki en Afrique du Sud, aye Zambie, aye Lubumbashi, à celles quelques minutes, aye Kokoman na Kishasa. Je vous avais dit que même que nous sommes sur le lobby, que non, Kalamingi te Bokomona ke Bakusela tête à tête na Fachi. Mais batwe belé, bazo trempé dans le Kamouan. Et Kabila a levé l'option de ne même pas, en tout cas, co protéger Mutumoko. Ce qui lui intéresse, les alliés, peut-être na olive la banane, peut-être qu'on batte la dada, na zoé, mais pour le reste, en tout cas, ba yon so ba mikoti saki, ali prete ya ko batte la moto moko. Même ba rapport moussou ba zo pes, ye pa zo soutouka. Lo lenge nini, ba tu ba bandaki ko zo ba mbongo a son ensi.
et il a levé l'option de ne pas protéger quelqu'un. Dossier parmi Bomoni tant d'autres. Vous vous souvenez à l'époque, Shadari à Lobaki. Je ne sais pas avant, quand je suis en train de me faire il est sorti. Alléluia, amen. Ce qui n'azo yo kao bazo lukela ndeko na biso moko ba problème. Kombo na ye Albert Yuma. Ce qui ba meki na ko pesa mot d'ordre to ko paralyser mboka. Wana l'époque Shaddai. Ce qui a gendel souad. Ce qui ba meki kaka ko simba Yuma. Na ko pesa mot d'ordre to ko paralyser mboka. Batoucha Albert Yuma. Bo paralyse mbok. Yo moko mikimeli. Alors, ba dossier suko yo e bandiko bima. Bandeko. Boko yoka. Pe boko monake. Batubele bako samba. Kabila azana shema wana. Atamukete. Mizuelaki bambongo a son ainsi. Il a compris qu'il a trop donné. Ba komi ko attaqué. Pamba, makambo belé eleki. Et ba permettre maintenant pour la mikolo. Oyo, ba dossier ya batu nyonso. Oyo, ba zoazoa bambongo. Kabila ye bate ebima. Ah oui, ebima. Ce qui l'intéresse pour le moment, c'est Sylvie Naye. Il se sent menacé. Ataye pas Zouaki, mais il se sent Azali menacé. Rapport à Congo, all dop one. Objectif Nango et Zande Bazoye. Bazoye un entourage Naye. Pour Mundela, Zan a besoin de Mbongoana. Ayako Zong, le bison en forme Yabadon. Aux États-Unis, Pessibino 1 million. Quand il y a biso moko yo botole pa ya kabila na ba politicien oyo yo mona kate ba politicien na biso comme on dirait pe ba la mayele te soki ba yibi mbongo na Congo hein tende na ngwa tande to ni matata de fois a ke na manye matongi université ke boté bango ba kende ka ko chena Europe ba ke ko chena États-Unis qu'est-ce que yo ko mona ka la fin oh non États-Unis a gelé bambogo to bino moko bozo tele sa ba mindele ke non. Toza na mbongo bile toyiba ke pa na biso to yoko bombe pa na bino. Tu vois? Et maintenant comme bazana trace bazana objectif na bango se moko esengeli nde bakanga bango moko na moko ba s'organiser ba banda maintenant ko bimisa ba dossier ya moko na moko na likambotel na likambotel na likambotel. Biso vraiment tous allez causer la dépré montona montu ayeba nini zolika na kanwan mais retenez seulement que Joseph Kabila en tout cas il s'en fout ce qui va kokanga ce qui va se bakanga lui maintenant a comme qu'on s'est préoccupé na servir na ye a kota bakop trop mais batuna ye bakota pe bakop trop ba utiliser le col fond de commerce. Tango likambwani salami et il a décidé vraiment et ça je vous le dis ezali nini moko clair boko yoka keno baye oyo ba mikote laki na makambo Kabila parfois musoa yebite voilà non on va être alors parmi tant d'autres ezana bato oyo bazoluka bango na mutema mobimba mutu ya liboso. Parmi tant d'autres, par exemple, on a Albert Yuma. Albert Yuma, dans un article, Albert Yuma, puissant patron pro-Kabila écarté de la GKMIN. Article dans actualité.cd. Le président du conseil d'administration de la société publique minière GKMIN Albert Yuma a été écarté de la tête de cette entreprise fleuron industriel de la République démocratique du Congo. Selon une ordonnance publiée samedi
Le président Tshisekedi a nommé des nouveaux dirigeants à la tête de quelques entreprises publiques, dont la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE. À la GECAMINE, géant minier congolais Albert Yuma a été remplacé par Alphonse Kaputo Kaloubi au poste du président du conseil d'administration. Selon cette décision datée du vendredi, élu samedi à la télévision publique, proche du premier ministre Jean-Michel Samalukonde, Kaputu est un ancien cadre de la GECAMINE à la retraite. Homme d'affaires de 66 ans qui a fourni ses biens dans le textile, Albert Yuma est un proche de l'ex-président Joseph Kabila, dont la famille politique subit depuis décembre 2019 une offensive du président Tshisekedi. Également président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, puissant syndicat patronal en RDC, M. Yuma avait été nommé à la tête de GECAMINE en 2010 par M. Kabila. M. Yuma était aussi un pourfendeur d'ONG étrangère, ce que Boyoka, ce que place Makambo et Bandi. Balobi Yuma était aussi un pourfendeur d'ONG étrangère comme Global Witness, qui ont avancé en 2017 que 750 millions de dollars avaient été détournés des caisses de la GECAMINE à la fin des années Kabila, janvier 2019. Ici, on nous montre, en dehors de Makambo, il y a Congo Hold Up, que déjà, dans la période il y a 2001, jusqu'en donc janvier 2001, janvier 2019, kaka na compte Pamba ya GECAMINE, Bakoutike, il s'est déplacé 750 millions de dollars. Et là, on acquise directement Albert Yuma. Hein? Et à l'époque, déjà en 2001, on a alerté. Je vous rappelle, je n'ai pas de l'élément Moko. Si vous avez dit, je vous dis, FMI, tout ça, qui est dans le Congo, FMI, Fonds monétaire international, même la Banque mondiale. Il y a eu un moment où ces institutions de Bretton Woods, Balongwa kanambo kanabiso pambate babandaki koyoka na lisusu te na gouvernement à l'époque pona nini gestion opaque ya bakare minier mbongo oyo ebandaki kolongwa na ba entreprise ya l'état ebandaki kokende directement kokota na ba compte ya ba privé babandi koteka bakare minier bandambu ndambu 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 ebandi kopie sa passe ce qui a fait que en contrepartie, Batoubaya Kota Lake, FMI, Banque mondiale, Balongwana Mbo Kanabiso, Balobi Boy, Mbongo Bozo Senga Biso, Biso to Defi Sabino, mais Bino Moko Bozana Yango Kole Kanabiso, pas comme, parce que Bisekanyon Soubagenda Kobomba Bambongo Ana, et Segilo Koyebake, Batouan Nde Ba Banque Nabango, Ba Yebi. Déjà de 2001, en 2019, 750 millions de dollars et le Nguena contre la GECAMINE. Mbo kepe sa ganga pas hein. Mais ce qui au tali baye minere wan, bakolo mboka, lo lenge bazali, bazwe bise biso le Congolais a vivaka na moins d'un dollar. Donc ceux qui ont exagéré, un dollar par jour. Pays très 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 pauvre. Mais yo kaba montant oyo et bimaki à l'époque Global Witness il avait déjà alerté ça. Vous pouvez vous imaginer oyo makambo et lekak. Maintenant batozo mitona miton. Est-ce que bolongo ya Yuma et qu'on permettre que lumière na ba makambo nyonso wana eyebana. Toyebite je peux continuer. Fin 2020.
la réélection pour la sixième fois consécutive de M. Yuma à la tête du syndicat patronal FEC avait été contestée comme jamais devant la justice par son rival. D'abord mis à l'écart, mais Yuma a ensuite rétabli par au poste du président de FEC quelques semaines plus tard par une décision de justice. Oui, Tango, et Kumaki Makambo, il y a justice pour la FEC, parce que Yemu Tazali Kokamba FEC maintenant, il s'est posé un problème que non. Balongola qui est, et Zala qui est, Ndekomoko, ou ce qui a Kombo Kiminga, il y a Vivi, Palace, tout ça, ou Yazaka, on est à Matadi, Ande, Bachaki, la moto, il y a FEC. Mais à la fin, on a vu que non, décision de justice, Moko Yaki, après quelques semaines, pour Nakozongisa Albert Yuma na, na position naye. Alors, Bandeko, il faut boye Baki. En dehors, il y a Yuma, Tomoni quand même, Makambo, Oyo et Leki. On nous parle aussi même que non, même Obem Minako, du temps qu'il a géré l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de choses. Bato Mingi Kabila, Oyo, Apesa Kibango, ba fonction, ba Abizaki Nayango. Et aujourd'hui, le rapport est commis que vous avez partout. Kabila a commis que vous la Olive, Naye. Kabila a commis que vous la Kenga Katsi. Oyo azana ngo mune azana ba lion na ye azakuna comme preuve munaka akomiko kumba moto alimbi na kuma na ye wewa alimba na ye ba pression wana lo bakomiko luka luka ye kanga abe botika ningai en tout cas mutu nyonso aliyaki na ye eloko amisambi selani ye moko bo monika otozana yango lelo ya Albert Yuma eh batu mingi bazolo bake il va répondre en dehors ya dossier oyo kakana makambo ya minye le lot dossier moko ezola muka awa bokolandango très bien za kutena ba documentation na yango nazo promettre bino ke ezali pe kakana makambo ya minye 120 millions moko boye e obimaki na makambo ya ba minye oyo bafuta ki na mumi lengi ko lobo mutanda mining 120 et bien d'abord 20 millions ben ko futa 100 millions mbongo wana pe elimo ezwa makolo côté kenda et yeba na kato yoka bato 75 millions 120 millions oyeko zwa mbongo parce que ben par exemple na makambo oyo ya FPI okeko zwa par exemple pe kuna pe talabebo ya bambongo ebele pe ekenda kuna tsilelo pa au-delà de 100 millions bakabola bango na bango comme ba acteur politique ce pays ezali saigné vous n'avez pas l'idée tokoki kozala ndenge toza boyete oyo tozali za resulta ya bandoki o babengi ba politicien ba satana bato bazanga mutema ya mawa et moi je pense que ezali leçon le bakango lobi pour une famille à Tshisekedi, et ils leçon pour na bande que Oyo Moussous, bazali vraiment alors vraiment na bamakambu Moussous et Talibino na pensé que trois jours, voilà il a trois jours, na zoyoka que bazolo bake le plus proche y a président Bagindaka Kalualab, na zoyoka même que peut-être Bandou Moussousou ya Mabota, Bazo Gendeke Kolo Alab. Est-ce que vous savez que Bandeko, même ba conseil ya président, la plupart ba Kendaka, na ba province Moussousouté. Je vous ai donné l'élément, Yandeko Mok, je crois, Bachela Kibino Telelo, en tout cas, na Kolaki Sabino, un conseiller principal. Et chef de l'État, j'ai parlé sur la première fois, na Kouti Lebino Photo. Bota la côté azali awa nanzela soki ya kalamba mbuji. Bota la potopoto. Mais il a un conseiller, mais bota la sapato alati, mwaya kote le mizate balingi yango sache. Mais c'est David Mokeba Kalengai. Mais est-ce que toko zale pe na ba conseiller te balongo awa, beke yata na ba kote moussous te, bango balingi ka kote ya fifi, balebi kuno soki il pare ba minere zali. Lelo kabila azana anayi. Hein? Nazo tchèle bide photo, n'appelle sa ba conseiller, bazo exemple ya ndeko conseiller principal.
Lo lenge akei kokota poto poto alande la kabanzela enfin que président Zouabina. D'ailleurs j'aurais appris que yenda zali candidat gouverneur na Kasai Oriental. En tout cas esal batu ya bonde ba bongi bobi mananzela ba minere et lukaka ni mindondo et koloka mindondo Kabila lelo apesi mukongo ami lobeli na ye ah Moto azoke loko, ye moko, ami futela, akokotele su muntu te, makambole ki mwa mingi, batungisi ye mingi, kanga, sal, njoka batungususu banda yiko zola. Alors, ulie biloko amboa, zalana mbango, toko mwona maintenant, ba verite kokoya, batu bako yebana, na ba mafia, na nyosu banda kiko sala. Koko nyangi Joseph, makambole fpeyi bozali. Ba Norbert ba Sengezi, Bazakuna. Okozwa batu baza ebele. Ebele, 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 ebele. Ndenge zali wana batu bazali ebele fo barandra ba konte na makambo oyo ba sali. Mais il faut se retenir que human azali pe ko désarmete po na ye en tout cas azali pe ko créer kaka ba makambo. Je vais vous faire voir que Albert Yuma a sangissa qui paye. Parce que jusqu'à présent, il y a mon toisali na patron. Il y a mon toisali qui gère l'entreprise Nyonso ya l'État. Homme d'affaires, j'allais dire. Les hommes d'affaires. FEC, Fédération des entreprises du Congo. Yuma mtu azalaki, azakuna tisigwe poske bachaki mtu mususu tangu alungwe na justice, yuma ye kukuta wana presisi 3 ou 4 semaines. Maintenant ye mtu azaliku di alo. So ki botali très bien, gouvernement azwaki mukano ke baki tisaba bilok, soso, kokoma 10 dollars, ba Thompson, e kokoma ye kusala boye consort, meti lelo biloko ikitate po nanini, batu wana oyu bazali na makambu ya ba entreprise bako kwa kosala yangute. Alors, le gouvernement de Nangambu na ye atelemi ya lobi e sengeli ba meka ko maximize recette. Parce que pona kwa tendre le 10 milliards oyu ba lobi wana ezalaka mbongo bakye kozwa na ba tiroir te. Me pona kozwa 10 milliards, il faut que l'état a créé le lenge nini akoki kozwa ba misolo. Alors, entre autres, ba créer ba méthode mususu oyo batie na bidye oyo tozali na yango encore. Maintenant Yuma a s'opposé na yango. Kanda nazo yebate. Yoka vignette fiscale imposée à des produits fabriqués localement et d'importation, Albert Yuma propose la révision de l'article 11 du projet de loi de finances. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Yuma, estime que l'article 11 du projet de loi de finances 2022 ne favorise nullement la relance des activités économiques après la COVID. Il l'a dit au cours de l'Assemblée générale de la FEC tenue le jeudi 2 décembre 2021 au siège de cette institution, capitale de la République démocratique du Congo. La FEC observe malheureusement que le pouvoir public continue à prendre des mesures qui ne favorisent pas la relance de l'activité économique dans un contexte où le secteur privé est laissé à son propre compte dans la lutte contre les effets pervers de la pandémie. C'est le cas de l'article 11 du projet de loi des finances adopté a déploré le patron de la FEC. En effet, l'article 11 modifié de l'article 52 du Code des assises conférant au ministre des Finances le pouvoir de fixer le prix des vignettes fiscales opposées sur certains produits fabriqués localement et d'importation, bière, boissons gazeuses, eau de table, limonade, services de téléphonie mobile. Le patron de la FEC rappelle au gouvernement le méfait d'une telle décision.
Depuis un temps, notre fédération ne cesse d'interpeller le gouvernement sur l'opportunité de mettre à la charge des entreprises le frais de ces systèmes d'apposition des signes fiscaux et son application à la production locale. L'efficacité de ces mécanismes dans la lutte contre la fraude douanière et la contrebande d'une part et la promotion d'une concurrence saine et loyale d'autre part reste à démontrer à l'aube de la mise en œuvre des ZELCAF, a soutenu Albert Yuma. Par ailleurs, a-t-il noté, le forcing que l'on observe aujourd'hui pour imposer aux entreprises le système de traçabilité des droits d'assises STDA sans consensus avec le secteur privé va engendrer les effets inverses à ceux prétendument attendus. Il rappelle au gouvernement l'expérience de ce système dans le secteur du tabac qui a conduit à la fermeture quasi-totalité des usines de transformation. Toutefois, Albert Yuma fait conscience aux parlementaires pour supprimer cet article 11 du projet de loi des finances 2022. Au cours de cette assemblée générale, le patron de la FEC a présenté le rapport d'activité de l'exercice 2020. Ici, il faut noter que la FEC a y organisé 4 sessions de formation à 9 matinées d'échange et d'information. Albert Yuma a en outre évoqué les actions menées par le syndicat concernant les discussions avec le pouvoir public et les autorités provinciales de Kinshasa sur les mesures d'application de la loi relative à la sous-traitance dans le secteur privé. Le président de la FEC, Albert Yuma, a également fait un bref aperçu de l'environnement économique, tant national qu'international, un environnement économique dominé par les effets néfastes de la COVID-19. Article Oyo, Okokipe, Kotangango, Yomoko, na Mediacongo.net. Donc, vous voyez déjà que ma cambo ya ko maximiser ba recette, déjà il ko poser problème. Parce que Yuma na batonaye ba monique non ba mesir mususu Nicolas Kazadiazu eza malamute vandu ko conteste yango kaka ndenge basala ki pe po na kokitisa biloko ki takate c'est le même schéma otozili ko kende encore mokolo ya lelo. Alors moi je suis Medard Kankolongo na silici live to direct na selibino mokolo. Je vais vous demander, vous nous suivez, mais nanu partagez, prenez lien ou partagez yango na bande comme sous. Je te demanderai aussi à liker, topé, commenter yango ko salabiso plaisir. Tu peux nous écrire na numéro na biso WhatsApp parce que si le Seigneur ne revenait pas, nazo ya kalamingi était la deuxième partie. À tout à l'heure. Bye.